Salut à tous, bienvenue dans les Baco Sessions. Rien de nouveau, que du bon son, des invités, quelques questions. On est là à la cool, sans pression. Aujourd'hui, on accueille Hippocampfu, Hippocampo Loco, qu'on appelle désormais Hippo, Seb, Sébastien pour les intimes. Hein, trois albums solo, des EP, des projets avec la secte phonétique il y a quelques lunes déjà. Exactement. Une odyssée future qui arrive. Je crois qu'on a Papa Rappeur, New York. C'est ça. On a fait le tour. C'est bon, au revoir. Pas d'interview. Allez, salut, c'est parti, c'est fini. On est aussi accompagné de Mamène Seo, chanteur, rappeur, compositeur, backer, animateur, plein de trucs en heure, sauf un branleur. Tu le sais déjà. C'est comme ça. Du coup, là, vous êtes en tournée sur l'album Terminus, ouais. troisième album là, qui est sorti en février. En mars. C'est ça, mars. Ouais, mars, ça ouais. Fait une petite année, quoi. Petite année, là, maintenant. C'est cool, Terminus, c'est un album qui est peut-être un peu différent des autres, je trouve. C'est un album que tu kiffes jouer sur scène. Oui, parce que l'idée, c'était d'amener des musiciens sur scène et de mélanger le rap à plein de styles, que ce soit le jazz, la salsa, enfin tout ce qu'on peut faire avec des instruments. Et voilà, c'était un défi, un challenge, une envie qu'on a essayé de relever. De développer ça pour toi, c'est ça aussi, amener la musique de studio sur scène ? Ouais, enfin c'est en tout cas c'est d'habiter la scène, c'est-à-dire que pendant longtemps on a tourné déjà au début j'étais que avec CO, on n'avait même pas de DJ, ensuite Aosis est venu et puis ça donne des envies quoi d'avoir de la musique live et d'avoir des possibilités de partir en freestyle à n'importe quel moment et là c'est le cas maintenant parce que t'as Lucas aussi qui est Lucas Dorier qui est à la MPC. Et du coup, s'il y a un moment, je sais pas, il y a un petit pull-up, un truc, ça peut partir en live. C'est vrai que un DJ est peut-être plus limité, il a des phases B, il peut faire des... Ouais, t'as des bandes et tout, t'es limité mais par contre. Mais là, ça peut vraiment... on peut se faire des freestyles de 20 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la salle. Il y a Balthazar qui est contrebassiste, qui est avec son saxophone également et sa flûte traversière. Donc on est quatre sur scène et c'est plus marrant, quoi. Après, c'est aussi vachement beaucoup plus cohérent avec l'album... Terminus pour le moment. Hippocampfu est dans les studios de Baco Records. Sur scène, ils miaulent comme des chatons. Je suis la loco, eux les wagons. Ils pompent plus qu'un cœur de baleine. Bref, passons, je viens exciter les grands darons sans retirer mon pantalon. Je suis un redoutable lyriciste doublé d'un fanfaron. Allons, gardons la tête froide à la Jeffrey Dahmer. Quand je t'appelle, use de ton portable comme d'un vibromasseur. Désolé pour ceux qui voulaient des rimes prévisibles. J'ai besoin de court-circuiter mes limites, de m'aliter pour pratiquer la pluralité féminine. Tu veux caresser ma grande, ramène-moi vite le laisser passer à 38. Ou bien reste en chien comme Gromit. T'es dans la soute, je suis dans le cockpit. T'es dans la smoule, je suis en orbite. T'es dans la soute. Je suis trop caustique, je sens la mouille, tu sens trop chic. J'envoie la foudre et la tempête, tu prends la poudre d'escampette. J'attrape ce fou dans la trempette, j'aime pas le foot et je t'emmerde. Je deviens vulgaire, faut que je me tempère. Patibulaire, ma mine t'enterre. Je parie que tu blaires, pas mon ton frère. Je perds pas mon temps, t'es médusé, baisse les yeux doux. Je te change en pierre, oui je sais comment faire. De ta vie un enfer, mais je veux qu'on reste en bon terme. Je t'offre un verre de mon sperme. Ado, j'avais des boutons d'acné et j'ai des vis larges. Je voulais qu'elle me les fit, disait tu dégoûtes ton merci. À présent, comme l'anesthésiste, passe au corps sur le billard. Je peux me faire plaisir tous les soirs. Tous les trous sont permis. Oui, tous les putains de trous sont permis. L'album s'appelle Terminus. Hey, on envoie le refrain ou quoi? Je sors de ma tanière pour vous mettre au parfum. Rien ne m'arrête, leur carrière sent le sapin. J'suis d'humeur printanière, j'vais lancer des parfums. Hocher la tête, mais car au coup du lapin, ouais. Car au coup du lapin. 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 Paco, car au coup du lapin. Lucas Doré, car au coup du lapin. Balthazar, car au coup du lapin. C'est car au coup du lapin.
Quand j'écris sur mon roof, je m'imagine à table avec ou à poil dans un. Ferme ta gueule de bulldog, va m'acheter. T'aimes jouer le sais-tu qu'on va ne pas négliger la surprise est un de mes points. J'aime prendre des risques en sortant de ma zone de confort. C'est comme ça que je me sens vivant, c'est pour ça que c'est enivrant. T'as la cote pour le moment, mais reparlons-en dans mille ans. Je suis le meilleur, sous-côté par. Arrête de ruminer, petit, tu vas te faire un. Tu m'as vu turbiner la nuit en rêvant de. Je manie l'absurde, l'humour, le spin et le. Avant tout et rien, en quête d'orgasme souterrain. Assieds-toi sur mon salade, mi t'es durci jusqu'au bout des seins. Laissez les ramer dans des bateaux à moteur tous mes skins. Enchanté, appelez-moi Gandalf, Harry Potter ou Merlin. Attachez vos ceintures. Yeah, yeah. Je sors de ma tanière pour vous mettre au parfum. Rien ne m'arrête, leur carrière sent le sapin. Je suis d'humeur printanière, je vais lancer des parpaings. Hocher la tête, mais gare au cou du lapin. 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 Du lapin. Chaque morceau, finalement, je pars d'une émotion ou d'une anecdote où j'ai ressenti quelque chose de fort. Il y a même carrément des morceaux qui portent le nom, quoi. Triste. Triste, ouais, voilà. Je me suis dit, allez, on peut pas être plus explicite. C'est vrai qu'il m'a touché cet album parce que j'ai vraiment retrouvé. Lui, il a bossé dans son coin. Enfin, c'est quasiment à chaque fois pareil pour ses albums. Il les bosse quasiment dans son coin tout seul et il fait écouter qu'à la dernière minute, genre juste avant de monter sur scène quoi. Bon les gars, j'ai ça. Allez, bon, bah, allez, donc on lui dit, c'est bon. On est en équipe avec Dobar et tout et on dit, bon alors, t'as envie de jouer quoi sur scène quoi. Et donc du coup, il nous dit, bah, celui-là, j'aimerais bien le jouer. Et après, on trouve l'articulation. Et donc, c'est vrai que quand j'ai écouté l'album, je l'ai écouté sur Spotify quoi, genre direct. J'ai pas eu de truc avant, tu vois. Okay. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que j'ai bien retrouvé le petit. Enfin, tu vois, l'humain, en fait, derrière le personnage. Mais d'ailleurs, on sent au fur et à mesure des albums, quand même, qu'il y a un espèce de. Comment tu délaisses un peu le personnage, justement, au profit de l'humain. Tu vois, t'as plus facilement tendance à parler de Sébastien. Tu vois, est-ce que t'avais déjà sciencé un peu cette espèce de, tu vois, de glissement un peu dans ton rap, c'est-à-dire de passer d'un truc un peu fou, tu vois, d'ailleurs on t'appelle plus, enfin il y avait marqué Hippo comme fou et maintenant ça s'appelle Hippo. Ouais, j'ai réduit, c'est plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu lâches au profit d'autre chose? Moi je bosse à l'instinct, donc je vais là où j'ai l'impression qu'il faut aller ou il faut que j'aille, moi en tout cas. Et du coup je me suis laissé un peu guider par ce nom, en fait. J'ai choisi par hasard, en fait. C'est juste qu'on était dans une époque où tout était très gangsta. Il fallait avoir un nom qui... Voilà, on imagine que t'as ton gun sur toi, etc. Hippocampfou, c'était un peu le... Ouais, c'était une manière aussi de sortir du truc. Ouais, le poète, le rêveur, la victime aussi, tu vois. Ouais, bah, j'en ai joué à fond. Ça englobe plein de trucs, quoi. Voilà, et je me suis dit... En fait, si tu veux, au départ, je suis arrivé avec un délire très fantaisiste et voire surréaliste, où j'avais envie de mélanger un peu tout ce que j'avais accumulé toutes ces années, parce que moi j'ai fait des études de ciné, j'ai toujours été un amoureux du ciné. Donc j'avais plein de rêves et je me suis dit, ah, il y a plein de trucs à faire entre la littérature, le ciné, la musique, je pourrais créer des... comme si je faisais un peu des tableaux, tu vois, des ponts entre les différentes époques, les différentes œuvres, etc., les différents courants. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que... quand je parlais de moi, je l'avais fait sur quelques morceaux dans les albums précédents, bah, j'avais des retours encore plus positifs, ou en tout cas on me disait, putain, je me suis vachement reconnu là-dedans, ce morceau où tu parles de ton père, ou ceci, cela. Et ouais, c'est une autre approche ça aussi. M'a donné envie, Les gens, ils ont une autre écoute aussi, ils ont peut-être plus facilement tendance à s'identifier un peu, quoi. Bah, c'est sûr. Et après, je pense que quand t'as pas forcément vécu des choses très douloureuses dans ton passé, ou que tu vois, tu viens pas d'un pays en guerre, etc., t'as toujours un peu une forme de pudeur par rapport à tes... Le complexe de... Ouais, le complexe du mec qui a pas eu une existence très triste, tu vois. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que je vais me plaindre, tu vois. Je suis là pour amener du bonheur, etc. Mais au final, au quotidien, on reste des humains, donc quel que soit notre parcours, on a forcément des moments où on est un peu plus down. Et je me suis dit, bah voilà, là, c'est l'occasion d'en parler. Après, il y a des morceaux plus festifs et plus joyeux, mais... Mais cet album, ouais, y avait un côté thérapeutique.
Ouais. Et puis après, bah, le cycle de l'eau, quoi. Tu vois, Aquatrip, on est sous l'eau, le céleste, l'eau de mer s'évapore, forme les nuages, il pleut, ça retombe sur terre, ça s'infiltre et puis ça passe dans mon terrier. Et... C'est incroyable. Donc, à ce moment-là, vous me mettez un ancien avec le cycle de l'eau, cours de SVT 5ème B, ok. C'est parti, là. On en est là. Hein. Sur ces vieilles photos qui jaunissent, quand je pense à mes amours d'antan, en recomptant mes cicatrices, quand je plie les habits de mes enfants et réalise qu'ils grandissent, quand j'assiste à un enterrement, je suis pieds nus sur la banquise. Triste, je me sens triste, esquinté. Triste, triste, je me sens repasse devant mon école où dort ma conduite exemplaire. Quand je vois mes souvenirs qui s'étiolent à chaque fois que j'en fais l'inventaire. Quand je farfouille dans mon téléphone, que je vois le numéro de mon grand-père. Quand je pense à toutes ces herbes folles qui poussent là où reposent nos ancêtres. Triste, je me sens triste, esquinté. Triste, triste, je me sens triste. Ces puissants qui se targuent d'envoyer leurs soldats jetables, pacifier des régions instables, qu'ils piétinent comme des châteaux de sable. Quand je pense à ce que la guerre engendre, des cris, des larmes, du sang, des cendres. Quand je vois la souffrance se répandre comme un tsunami en décembre. Triste, je me sens triste, esquinté. Triste, triste, je me sens triste. Quand je vois se fissurer l'écorce de cette jeune femme à bout de force, sans ses gosses, seule sous un porche, la honte la ronge, le froid l'écorche. Quand j'imagine son quotidien dans une petite pièce sans fenêtre, quand je pense à son regard éteint pendant que la misère la pénètre. Triste, je me sens triste, esquinté. Triste, triste, je me sens triste, écœuré. Quand ma tristesse déborde, je pleure des cordes. J'éponge tout et je m'essors, sinon ça fait désordre. Tu vois tes trois albums là comme un peu une trilogie. Ouais, bah c'est comme ça que j'en parle en interview, quoi. Ouais, bah, très bien. Montrer mais... qu'il y a non, mais il y a de la réflexion. Après, c'est évidemment que, comme je te dis, il y a un côté un peu hasard, mais finalement, est-ce que ça existe, tu vois? Est-ce que j'étais pas destiné à faire ce truc-là dès ma naissance? Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas. Moi, j'aime bien ce truc de tiens, en fait, c'était sur la table depuis le début, je l'avais pas vu. Ben, je vais utiliser ce truc-là. Quoi. C'est aussi ça quand t'es artiste, quand tu crées, tu jongles un peu avec des trucs que t'as sous la main, quoi. Au final, c'est un peu ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ta trilogie ou ta saga de cinéma préférée? Préférée, bon, moi, je suis un gros fan de Star Wars. Ouais. Je suis moins fan de certains épisodes que d'autres. Ouais. Mais je kiffe le concept du mec qui se dit on va commencer par l'épisode 4, 5, 6 et puis on va revenir en arrière. Et ça a un peu révolutionné le ciné, tu vois. Maintenant t'as tout ce qu'on appelle les préquels, les spin-offs, et c'est quelque chose qui est peut-être se retrouver en littérature, mais au cinéma je crois pas qu'il y ait eu d'autres choses comme ça. Donc ouais, après dans les trilogies je sais pas, qu'est-ce que j'aime bien. Non, il y a des trucs qui tiennent sur deux.
genre les mamans j'ai raté l'avion. Ah, ouais, c'est raté très l'avion, sérieux, ça. J'adore ça. D'ailleurs, j'ai mis du temps à capter en fait. Ah, oui, c'est quand je suis sorti de toi et ça arrivait. Non, ça je savais, tu vois, le blaze, je savais, ouais. Je l'avais dans mon enfance et tout. Le truc du bonnet avec le feu. Je me disais, pourquoi ils ont tout le du bonnet avec le feu? Et en fait, quand tu regardes, tu sais, c'est le meilleur moment de maman j'ai raté l'avion, c'est quand les brigands, les casseurs flotteurs veulent rentrer pour éclater le bonhomme. Non, ils veulent cambrioler la maison. Éclater le bonhomme. C'était gros pédophile. Ils savent pas encore qu'il y a Kevin qui est tout seul dans sa maison et qu'en fait, lui, il crée des stratagèmes de ouf. Genre, tu tournes la poignée, t'as un chalumeau dans la gueule. En fait, c'est ça, à un moment donné, il ouvre la porte. Je crois que c'est ça. Hein. Ah, c'est ça, il fait un truc. Le bonnet prend feu. Ah, il s'en rend pas compte. C'est très sérieux. Ouais. Mets-moi des enserres. Ah ouais. Et apprends en t'amusant comme Adibou. Bah oui, c'est comme ça. Et bah, du coup, on était sur le ciné. Toi, t'as fait des études de ciné. Ouais. T'as un rapport hyper particulier, je trouve, en tout cas dans tes clips, à tout ce qui est lumière, tu vois, enfin réalisation et tout. Du coup, est-ce que toi, tu penses ta musique en fonction de ce que tu pourrais faire à l'image ou un peu l'inverse? En fait, j'écris en projetant des images dans ma tête, c'est-à-dire... Je suis pas trop dans l'abstraction, tu vois, quand j'entends des trucs genre Christine and the Queens, PNL et tout, etc. Sans doute que tu peux imaginer quelque chose, mais moi, ça reste très abstrait, donc j'arrive à me faire un décor mental et tout. Moi, je suis pas mal dans la description, la narration, le mélange de concepts, etc. Mais j'aime bien qu'il y ait une image à chaque phrase. Donc, c'est plutôt la musique en elle-même, enfin, la chanson, elle évoque plein d'images déjà. Donc, des fois, c'est trop dense, trop riche pour en faire un morceau, yes. Parce que ça va être... moins fou, tu vois, tu vas devoir adapter en fonction de ton budget, etc. Et puis des fois, en fait, parfois c'est plus... Je sais pas, ça s'y prête mieux, quoi. Donc il s'agit de trouver quel morceau clipper à chaque fois et sans que ça desserve... C'est la grande guerre. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais. Parce que tu vas te dire, ouais, celui-là, tout le monde le kiffe, mais est-ce que c'est celui-là qu'il faut clipper absolument ? Qui rendra le mieux, ouais, grave. Parce que l'histoire, tout est dit dans le texte, donc... après, évidemment, bah, l'image te donne... te donne une visibilité sur le net, etc. Ouais, bah ouais. Normal. Normal. Du coup, là, t'es avec CO. Ouais. Pour moi, à titre personnel, meilleur duo MC Backer cool, en France. Merci. C'est notre Busta Rhymes Pistar. Renseignez-vous. Proof était bon aussi avec Eminem. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, j'aime bien faire la comparaison tu vois, entre Busta et le truc rapide, et puis le côté un peu plus folie que, tu vois, CO, il peut avoir un peu bondissant, un peu machin c'est et vrai, tout. Je suis assez, puis je m'empâte, tu vois, je prends de l'âge et tout, donc mon but c'est de finir comme Busta, statique. Voilà, statique, comme ça, contre je taffe la grosse voix. Contre le mouflon, là, tu vois la scène comme ça. Et ce bâtard, il prend pas de poids, donc il est tout... C'est vrai qu'il est flexible, le mec, il peut mettre des câbles comme ça autour de lui, il fait des sauts, il fait des moves, il mais se c'est, prend jamais. C'est vrai que c'est mortel, parce que du coup, ça donne du mouvement sur scène, et moi, j'essaie de poser les cojones, enfin, tu vois, chacun son rôle, quoi. C'est ça. Ah, mais c'est bien, il y a le bon flic, méchant flic, tu vois, c'est... un peu un truc comme ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et Odyssée. Du coup, c'est ça. C'est là, quoi ton nouveau spectacle? C'est ça. Alors, j'ai entendu parler d'un nouveau truc. Mon nouveau spectacle, il est encore en chantier. J'ai vu des trucs traîner sur Internet, mais ça a l'air encore un peu nébuleux, quoi. Il y a quelques cobayes qui sont venus y assister. Cobayes, je dis ça avec beaucoup d'affection, mais je veux dire, il y a des spectateurs qui ont assisté aux premières représentations, et on se sert vachement des retours des gens pour améliorer ça. Pour construire, quoi. Exactement. Et donc, c'est un spectacle qui a été imaginé par Lucas Dorier et moi. Qui est en bas, voilà. Et qui était même là tout à l'heure. Et lui, il a une formation de compositeur un peu classique, etc. Il est batteur c'est son instrument de prédilection, mais il sait aussi composer des symphonies, plein de trucs, tu vois. C'est un kiffeur de musique de film. Voilà. Il est très musique de film, et moi aussi, tu vois. Excusez-moi, les amis. Donc on s'est dit, ne fumez pas de cigarette. Il y a moyen de faire un petit mélange... rap, spoken word, musique de film, world music, théâtre évidemment, vidéo, il y a beaucoup de projections. Okay. Et là, on est en train d'affiner ça. Pyrotechnie, Pourquoi pas. Nain, tu vois. Lancer de nain. Génial. Voilà, donc je pense qu'il y aura une sorte d'avant-première d'ici la fin de l'année. Okay. Je le souhaite. Mais c'est un truc qui va tourner assez longtemps. Et, L'Odyssée d'Hippo. Ouais, on bosse pour avoir un truc. L'affiche est faite. Oh ouais, déjà, quoi. C'est très sérieux. On est sur la fin du début, quoi. Ok. Voilà.
la fin du début, ouais. C'est bien. Fallait racheter des capotes, mais tu t'es bien fait gronder. Et dans deux jours elle avorte, t'es sorti picoler. Tu viens de rentrer, elle te demande de la réconforter. Là, faut pas rigoler, c'est pas facile vu que t'es torché. Faut pas rigoler, t'as envie de blaguer sur l'IVG. Faut pas rigoler, tu sens l'émotion qui l'assaille. La tête posée sur son bassin, tu dis tu veux qu'on le garde dans un bocal. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. C'est le rôle de ta vie, le plan le plus cher du film. Tu dois raser la tête pendant l'explosion d'un building. T'as été pistonné mais le ciné c'est ta passion. Le réal vient de crier action. Faut pas rigoler, tu veux prouver que t'es bon acteur. Faut pas rigoler, t'entends le bruit du détonateur. Faut pas rigoler, t'as les sinus qui piquent. Rien ne pouvait t'arriver de pire. T'éternues sur l'objectif avant d'éclater de rire. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Trompé d'étage à l'hôpital, tu te retrouves dans l'unité de soins palliatifs, c'est abominable. T'entends des cris d'agonie que tu peux pas ignorer. Tu croises la famille d'un malade là, faut pas rigoler. On dirait des cris de plaisir, faut pas rigoler. Ta bédave avant de venir, faut pas rigoler. Soudain t'es pris d'empathie et pour t'en sortir, tu te lâches et tu dis moi aussi je veux de la morphine. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Tu dansais dans la rêve partie, tu te réveilles dans un cabanon séquestré par un type sans répartie dont l'esprit vagabonde. T'es isolé, terrorisé, donc t'essaies d'ironiser. Mais là faut pas rigoler, il a une voix ridicule. Faut pas rigoler, il est trop petit son pull. Faut pas rigoler, tout ça n'est pas si marrant. Mais là tu te rappelles que pendant la rêve t'as pris du gaz hilarant. Quand t'as l'estomac noué, quand tu bois la tasse, le rire c'est ta bouée, c'est ta carapace. L'humour faut bien l'avouer, peut sauver la face. Mais parfois vaut mieux pas glousser, attendre que ça passe. Fallait pas rigoler, fallait pas rigoler, fallait pas rigoler, fallait pas rigoler. Ça fait danser, ça fait plaisir, surtout. Quand il se trompe, ouais, et qu'on peut le victimiser, c'est toujours cool. Ouais, c'est rigolo, c'est chambé, on s'amuse à fond. Ça fait rigoler, des fois je suis ridicule, je sais pas encore bien jouer la comédie, mais je vais travailler. Non, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Après, bah, ça, c'est surprenant, voilà. Mais c'est pas un rire, de supériorité et tout. C'est plus, galerie, quoi. J'aurais pas pensé à reprendre ce morceau comme ça. Mais big up à tout le monde. Hein. Non, c'est sérieux, ça casse des nuques. Je sais pas, hein, on verra, j'attends de voir les vidéos, moi je suis très pointilleux et tout, je vais dire non mais là t'as vu, je louche un peu sur le micro, et moins que je sois chiant.